Papi gen neto lobe la vi. Papi gen neto lobe la vi. Papi gen neto lobe la vi. Papi gen Papi gen neto lobe la vi. Papi gen neto lobe la vi. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Kuna balobi nini. Congolais Téléma. Mesdames et messieurs de la presse, comme un mouvement avant-gardiste d'éveil de conscience, Congolais Téléma ne peut rester indifférent à l'évolution dramatique de la situation politique de notre pays. Et en son nom, nous prenons la parole aujourd'hui pour aborder quelques sujets d'actualité. De prime abord, il est important de rappeler que depuis le braquage électoral du 30 décembre 2018, notre pays est de nouveau plongé dans une crise de légitimité qui nécessite que l'on s'y penche le plus rapidement possible avant que le pays ne sombre lui-même dans le chaos. Qui, en effet, peut faire avaler aux Congolais que leur mobilisation massive le 30 décembre 2018, jour de l'élection présidentielle, des élections législatives nationales et provinciales, avait pour objectif de maintenir le système Kabila au pouvoir. Non, il faut cesser de se moquer du peuple congolais. Je répète que dans mon point de presse du 16 septembre 2019, j'ai affirmé qu'aujourd'hui, notre pays se trouve devant une incongruité politique exceptionnelle, où en fait, il y a trois présidents, un président nommé qui se complaît dans les costumes du président de la République, mais qui n'a aucun pouvoir, un président élu à qui on a refusé l'exercice du pouvoir et un ancien président qui, lui, détient l'impérium du pouvoir en ayant le contrôle de la quasi-totalité des institutions de la République en tant que chef de file du FCC. La preuve, lors de son dernier voyage de Félix Tshisekedi Tshilombo en Belgique, il était prévu la signature d'une lettre d'intention en matière de coopération militaire entre la Belgique et notre pays. Selon les renseignements en notre possession, cette signature n'a pu avoir lieu au motif que le ministre de la Défense n'était pas dans l'avion parce que, tenez-vous bien, M. Kabila ne le voulait pas, n'étant pas favorable au texte proposé. Dites-moi, y a-t-il combien de présidents alors? Congolais, Téléma. Mesdames et messieurs de la presse, lorsque j'entends M. Félix Tshisekedi Tshilombo en réponse à une question des journalistes admettre publiquement que la question sur la vérité des urnes les mettait mal à l'aise, car elle faisait
passer pour un usurpateur. Cela me conforte dans la conviction qu'il y a effectivement crise de légitimité dans notre pays. En effet, si M. Félix Tshisekedi Tshilombo veut mettre fin à l'opprobre qui l'enveloppe, pourquoi ne s'appuierait-il pas sur les dispositions pertinentes de la Constitution pour exiger que la CENI publie les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote comme le dit la loi. Au demeurant, le simple fait que la CENI ait refusé de s'y conformer est en lui-même un révélateur du malaise qu'elle éprouve sur la question. Pire, il nous revient que le gouvernement vient de financer la CENI dans une opération consistant à effacer toutes les données et traces de l'élection de Martin Fayulu contenues dans les machines à voter. Congolais, Téléma. Un autre sujet sur lequel j'aimerais donner de la voix est celui en rapport avec le tribalisme. Non, soyons sérieux, s'il vous plaît. C'est malhonnête d'insinuer que le fait de réclamer la vérité des urnes, c'est actionner la corde tribale. Personne dans ce pays n'a oublié qu'après le chaos électoral de 2011, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Sami Badibang, Valentin Moubak, Moïse Monidela, Jean-Claude Vuemba, Professeur Kalele et moi-même, sans oublier plusieurs autres compatriotes, nous avions accompagné et soutenu le président Étienne Tshisekedi de Rez Mémoire, dont la revendication légitime de la vérité des urnes. Personne n'avait dit que nous étions des tribalistes en ce moment-là. Pourquoi alors les deviendrons-nous aujourd'hui? Non, les tribalistes et les génocidaires sont dans le camp de ceux qui ont planifié et exécuté Kamuina Nsapu et plusieurs de nos compatriotes au Kasaï. Ceux-là doivent répondre de leurs actes car le sang des Congolais crie justice. Mesdames et messieurs de la presse, ce qui est malheureux dans tout ça, c'est de voir M. Félix Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui bomber les torses et affirmer avec fierté et sans gêne qu'il est devenu allié de ceux-là même qui sont pointés du doigt dans les massacres des combattants de l'IDPS le 19 septembre 2016 à la permanence et dans plusieurs autres crimes commis sur l'ensemble du territoire national.
et admettre aujourd'hui qu'il est un allié du FCC, mais c'est affirmer que M. Kabila est devenu son autorité morale. L'un dans l'autre, on comprend mieux à quel point M. Félix Tshisekedi Tshilombo a décidé consciencieusement ou non de servir de bouclier à M. Kabila et à tous les crimes commis pendant les 18 ans de son pouvoir. Rien d'étonnant donc qu'il dise dans sa dernière interview accordée à la presse étrangère qu'il n'a pas le temps de fouiner dans le passé des gens ou d'envisager des règlements de comptes. Non, monsieur, cher frère, le peuple congolais ne veut pas de règlement de comptes, mais il refuse d'être amnésique et réclame la justice pour toutes les victimes du régime de M. Kabila. Car Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Luc, et la liste est longue, ne sont pas morts pour rien. Retenez, monsieur, que la justice élève une nation et vous ne combattrez pas la corruption en favorisant l'impunité par la couverture des crimes de vos partenaires de circonstances. Et dans ces registres, il faut par exemple épingler l'affaire dite de 15 millions, puisque M. Félix Tshisekedi Tshilombo a déjà conclu l'affaire en affirmant qu'il s'agissait bien d'une rétrocommission, qui est une forme de corruption. Ce qu'il doit faire, ce n'est pas de renouveler sa confiance à son directeur de cabinet, mais plutôt de le sanctionner, à défaut même de le pousser à la démission. C'est cela, combattre la corruption. Je ne peux clôturer ce point de presse sans aborder la question de la décrispation politique et du respect des libertés publiques que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a vanté d'avoir réalisé contre la volonté de M. Kabila. Mais j'ai quatre questions à lui poser. Première question. Pourquoi M. Defao Paluku a-t-il été tué le 30 juin 2019 lors de la marche pacifique organisée à Goma? Deuxième question. Pourquoi le député Mike Mukebai est-il en prison? Troisième question. À quand la sortie des prisons de Dikapen, de Nono Lutula, Leta Mangasa, Roger Amissi, Maurice Kolokota, Kibonge, tous des prisonniers politiques injustement arrêtés dans l'affaire des assassinats de Laurent Désiré Kabila? Quatrième question. Pourquoi a-t-on forcé Salomon Della, le conseiller du président Moïse Katumbi, à l'exil en lui refusant le passeport?
tout le temps que M. Félix Tshisekedi Tshilombo ne donnera pas de réponse à ces quatre questions, personne ne pourra croire qu'il n'est pas sous le bord de M. Kabila et qu'il s'est départi de ses méthodes. Car il se dégage clairement que M. Félix Tshisekedi Tshilombo n'est pas venu pour rompre avec le système de M. Kabila, contre lequel le peuple s'était mobilisé le 30 décembre 2018, mais plutôt pour le raciner, les perpétuer par la corruption, la gabegie et les violations des libertés et droits fondamentaux des citoyens. Je termine mon propos du jour en lançant un appel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais à soutenir le coordonnateur du présidium de la Mouka, le président Jean-Pierre Bemba Gombo, ainsi que tous les leaders de la Mouka. J'invite surtout les Congolais à demeurer vigilants, car les jours à venir seront déterminants pour l'avenir de notre pays. Et si nous ne prenons pas la mesure des frustrations profondes de notre peuple, si nous ne nous dépassons pas pour trouver des solutions idoines aux problèmes réels qui nous divisent, nous ferons le jeu de nos ennemis qui, en définitive, veulent affaiblir notre vouloir vivre ensemble et atteindre leur objectif final, celui de la balkanisation de notre pays. Congolais, Téléma, je vous remercie. Bien sûr, ce n'est pas que je suis là pour livrer les questions ou les éléments en tant qu'homme d'État, en tant que membre du gouvernement, bien sûr. Mais il y a des éléments qui pèsent. Et c'est comme ça que nous sommes toujours prudents, nous disons toujours, les renseignements en notre possession. Ça mène à ce qu'on puisse aller fouiner. Voilà les verbes maintenant. On puisse aller fouiner pour voir il y a eu des ordres de mission qui ont été établis et qu'on a envoyé les gens à l'intérieur du pays avec comme prétexte aller voir combien de machines sont favorables, qu'est-ce qu'il y a de ceci. Et avec tous ces ordres de mission, le peuple aujourd'hui doit comprendre que l'objectif est principal. C'est comme ça que nous disons les renseignements à notre possession. Et que le peuple doit vérifier avec nous. Et que ces gens-là, qui sont nos frères, qui sont aussi des Congolais, nous ont dit non, nous partons non seulement pour ça. C'est pour aller faire disparaître les résultats. Et pour les plusieurs des cas, c'est le cas de la présidentielle, que c'est Fayoulou qui a gagné. Et quand on fait disparaître les éléments, les données, même si vous continuez à crier, il n'y aura pas ces données-là. La preuve est qu'aujourd'hui, entre nous et la CENI, et vous savez, je ne vais même pas revenir à l'article 69 qui nous a dit la Constitution, parce que cet article nous a créé aussi beaucoup de torts. Et surtout pour le moment, nous sommes en une période de crise de légitimité. Mais si le président Félix dit que je suis président de la République, et qu'il utilise l'article 69 de la Constitution, le président de la République veille au bon fonctionnement des institutions. Et parmi ces institutions, il y a la CENI. Moi, à sa place, je dirais, on m'attaque en disant que je n'ai pas gagné. CENI, parce que vous êtes une institution.
et que je dois veiller au bon fonctionnement des institutions. Allez, donnez-moi tous ces résultats. Et je vais dire au peuple que c'est moi qui ai gagné. Le débat est clos. Quand nous disons que le président a le pouvoir et qu'il ne le manifeste pas, c'est tout ça. Pourquoi ne pas dire, quand nous disons qu'il y a cri de légitimité, et ça les mettra à l'aise, passe à la question de votre collègue journaliste, quand il dit, ça me met mal à l'aise quand Fayoulou et son groupe continuent à réclamer la vérité des îles. Mais il n'y a pas deux, trois manières de mettre fin à ce débat, qui est de dire, bon, je suis président, je m'assume, c'est moi le chef. Il y a l'article 69, je dois user de cet article-là. Bon fonctionnement des institutions. Institutions CENI, venez devant moi, donnez les résultats, faites ceci. Et voilà la clarté. Allez, vous, la Mouka, Congolais, Téléma, toutes les associations qui parlent qu'il y a crise, venez, les résultats sont là. Le débat est clos. Le débat est clos. Une question. Papi Gen Netolobé la vie. Papi Gen Netolobé la vie. Papi Gen Netolobé la vie. Papi Gene tolobe la vie, Papi Gene tolobe la vie, Kuna balobi nini, Kuna balobi nini, Kuna balobi nini.